Claire. Je les coupe très très fines, les tranches, là. Évidemment. Les enfants vont être en joie. Ils adorent ta salade d'orange. Oui, je sais. Tout le monde adore ma salade d'orange. Même Daniel. Daniel. Et il a goûté ta salade d'orange, Daniel? Ouais, tu lui en as apporté l'autre jour. Tu ne l'avais pas dit? Ben non, t'as dû oublier. Ouais, ça m'a sorti de la tête. Et bien sûr, ça t'a pris comme ça. Hein? Tu t'es dit, tiens, je vais faire une petite salade d'orange. Tiens, je vais la faire goûter à Daniel, c'est ça? Je l'ai rencontré dans l'ascenseur. On a parlé cuisine, je lui ai parlé de ma salade d'orange. Il ne la connaissait pas. Alors ma foi, comme il m'en restait un petit fond dans un saladier au réfrigérateur, je lui ai fait goûter. C'est tout. C'est tout. Bah oui. Et bah tu veux que je te dise, je trouve ça drôlement culotté, moi. Culotté? Mais c'est un rapport de bon voisinage. Ça s'appelle de la civilité. De la civilité? Ah, elle a bon dos, ta civilité. Ta salade d'orange aussi, du reste. Salut les filles. Bonjour maman. Salut mon chéri. Ça a été tes cours? Pas de lézard. Vincent, tu sais bien, je veux pas que tu parles comme ça. Bah, tout le monde parle comme ça au lycée. C'est pas parce que tout le monde parle comme ça que toi, tu dois en faire autant. Ouais, bon. Vous sortez toujours chez Gérard, ce soir? Oui, bien sûr, et toi, tu vas toujours à ta boum? Ouais, j'y vais toujours, ouais. Je peux vous aider? Je peux m'en utile? C'est gentil, mon chéri, mais on a presque fini. Je peux mettre la table. Waouh! Quelle énergie tu as, Vincent? Il est très serviable. Merci, mon chéri, tu peux mettre la table. Et en fait, maman, pour ma boum de ce soir, je vais te demander un truc. Vincent, il est hors de question que tu renégocies ton heure de rentrée. 22 heures, pas une minute de plus. Non, mais c'est pas du tout ça, c'est autre chose. C'est quoi, alors? Bah voilà, je m'étais dit que, comme vous sortez toutes les trois ce soir, je pourrais peut-être essayer de la faire ici, ma boum. Quoi? Mais c'est hors de question. Pourquoi? T'inquiète pas, on va rien abîmer, hein. Mon chéri, je te signale que nous partageons cet appartement avec Fanny et Magali. C'est nous. Et que par conséquent, nous ne disposons pas de cet appartement à notre guise. Tu sais, si c'est juste à cause de nous... Magali, s'il te plaît, tu me laisserais glisser avec mon fils? Bon, d'accord, excuse-moi, c'est parce que tu parlais de nous. Je ne voudrais surtout pas me mêler d'une conversation qui ne me regarde pas, bien sûr. Enfin, personnellement, Fanny, ça ne la dérange pas. Tu vois, ça ne gêne ni Fanny, ni Magali. Oui, eh bien Claire, ça la gêne. Non, c'est hors de question, la réponse est non. Bon, n'en es-tu là? Oh, les femmes. Vincent, les assiettes. Ah ouais, les assiettes. Les assiettes. Pauvre Vincent. Il y tenait tellement à sa boum, Claire. C'est vrai. Souviens-toi de tes premières boums. C'était important, ouais. Non? Ma première boum. J'étais beaucoup plus âgée pour mes premières boums. Non. Faut pas que je te laisse ces caprices, parce que sinon, ce sera le début de la fin. Oh, bon, bah d'accord, on dit plus rien, tu fais comme tu veux. Pauvre Vincent, c'est ton fils après tout. Le pauvre. Bon, tu peux commencer avec ça. C'est vraiment gentil de m'aider à nettoyer mes appareils, Vincent. Dans ma montre, ça va me prendre 2 heures. Ça me fait plaisir, hein. Puis pour ce que j'ai à faire aujourd'hui... Bon, tu n'as pas cours cet après-midi? Bah non, c'est pour ça que je suis venu voir si Marc pouvait me donner un cours de maths. Ben ça, c'est vraiment héroïque de ta part. Moi, à ton âge, si j'avais un après-midi libre, je n'allais surtout pas voir si quelqu'un peut me donner un cours de maths. Non, mais de toute façon, j'ai pas le moral en ce moment, alors. Ah bon? Et pourquoi tu vas pas retrouver... comment s'appelle déjà ta copine? Stéphanie. Ah bon, Stéphanie. Elle est comme tous les autres, elle va me prendre pour un naze. Oh. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien, j'ai juste encore ouvert ma bouche trop tôt. On a eu un petit problème sur la boum de Jean-Luc. J'ai dit à tout le monde que je la faisais chez moi et patatrac, ma mère veut pas. Ah oui, je vois. Tu as attelé la charrue avant les bœufs. C'est comme ça qu'on dit en français? Ouais, on peut dire ça comme ça. Et pourquoi est-ce que ta mère ne veut pas que tu organises cette boum chez toi? Tu connais les filles. Elle s'est braquée, c'est tout. Elle a peut-être peur que tu ennuies ses copines, non? Mais non. Elles sortent ce soir. Et Fanny et Magali, t'es dans mon camp. Mais quand ma mère dit non... Eh oui, c'est bête, hein? Ouais, quelle dis-tu? Tu sais, Vincent, j'y pense. Je pourrais peut-être faire ta boum ici.
Pardon, je n'ai pas bien entendu, là. Ouais, du moment que vous n'abîmez rien, Marc et moi, on peut aller voir un film ou faire autre chose. Mais c'est génial. Tu crois que Marc sera d'accord? Ah oui, il sait ce que c'est. Mais tu sais, lui et moi, nous sommes passés par là aussi. C'est génial, Daniel. Non, vraiment, j'apprécie. Non, mais attention, Vincent. Il faut quand même que tu préviennes ta mère, hein, qu'elle soit d'accord. Oh, pas de problème. Mais si je lui dis que ça se passe ici, elle dira tout de suite oui. Ah bon, pourquoi? Ah, comme ça. Excuse-moi, Daniel, faut que j'aille prévenir les copains. Ok, hein? Vincent. T'inquiète pas, je vais m'en sortir tout seul. Ah, merci, c'est vraiment sympa. Hein? Ouais. T'es super cool quand même. Hein? Okay. C'est juste super d'être aussi cool. Ok, Vincent, ciao. Ah, bon, bah, ciao. Allez, ça va. Salut Marc. Salut Vincent, ça va? Ouais. Bon, merci d'avance. Excuse-moi, je dois te quitter parce que... Merci. Merci de quoi? Voilà, pour le dîner de ce soir, un petit guacamole en entrée. C'est très bien, c'est léger. Avec des... Ah, comment ça s'appelle ces trucs-là qui ressemblent à des chips? Des tacos, c'est ça, des tacos? Je vais faire suivre avec des empanadas au poulet. Ça, c'est diététique, ça passe très bien. Bah oui, parce que un repas mexicain avec le chili con carne, de toute façon les haricots rouges, je supporte pas beaucoup, alors ça tombe bien. Salut Gérard. Oh, bonjour fille. Salut toi, tu vas bien? Ah bah très bien. C'est quand je prépare un dîner, moi, c'est toujours la fête, j'adore ça. Oh mais rigole pas, quand j'étais petit, mon rêve, c'était d'ouvrir un restaurant, bah oui. Bah, pourquoi tu l'as pas fait? Bah tu sais Fanny, j'ai rencontré un ami qui m'a poussé vers la culture physique, alors j'ai laissé tomber la cuisine. Mais je me débrouillais bien, très, très bien. Ah, dommage, on a perdu peut-être un grand maître queue. Oh, alors toi, vraiment, t'exagères par moment. Vous allez vous régaler, je vous le garantis. Alors, qu'est-ce que tu nous as préparé? Ah non, ça, c'est une surprise. Allez! N'hésitez pas, écoutez, mais c'est comme en amour. Si on se déshabille tout de suite, et si on sait en avance ce qui va se passer, il n'y a plus de plaisir. Ça t'a pas tort. Mmh. Bon, alors tant pis, on attendra jusqu'à ce soir. Et vous n'allez pas être déçus, je vous le garantis. Dis-moi, Claire, juste une petite chose. Vincent va mieux? Vincent? Oui. Mais pourquoi tu me demandes ça? Mais non, c'est pas ça, c'est que je l'ai croisé tout à l'heure dans l'ascenseur. Oh, ça avait pas l'air d'aller terrible avec son histoire de boum, tu sais. Gérard, tu vas pas t'y mettre, toi aussi? C'est pas ça, Claire, je te demandais ça comme ça, c'est tout. Il m'a fait beaucoup de peine. Mais non, mais tu sais, les boum à son âge, c'est super important. Mais oui! Moi, c'est là que j'ai eu mes premiers flirts. Oh, mon premier grand amour s'appelait... Claude. On passait notre temps à se bécoter pendant que les autres dansaient. Mais dis-moi, Claude, c'est un très joli prénom, ça. Et elle était comme moi? Oh, c'était une superbe petite blonde avec de très grands yeux verts. Vous pouvez pas vous imaginer à quel point je l'aimais. Bah, qu'est-ce que vous allez me regarder comme ça? Non, rien. On t'écoutait, c'est tout. En tout cas, pour en revenir à Vincent, c'est vraiment idiot que son copain ait une mauvaise note en mathématiques. Alors les parents qui annulent la boum derrière ça. Oh non, je t'assure, vraiment pas de chance. Amant, t'es là. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Justement, je te cherchais. J'ai à te dire que, ça y est, j'ai trouvé un copain qui accepte de faire la boum chez lui. Super! Tout s'arrange. Est-ce que je connais les parents du dit copain? Mais c'est encore mieux. Tu le connais, ce copain. C'est Daniel. Daniel? Oui. Daniel veut bien te prêter son appartement pour que tu fasses ta boum, Vincent? Mais oui, c'est lui qui me l'a proposé, c'est super, non? Tiens, t'as raison, mais Daniel est formidable comme garçon, vraiment. Oui, il est formidable. Alors moi j'ai une idée, je vais l'appeler. Oui, j'offre les boissons. Oui, très bonne idée, moi j'offre les gâteaux. Les gâteaux? Ah oui, et moi les préservatifs, tant que vous y êtes. Vous êtes géniales les filles, pensez vraiment à tout. Hein. Alors comme ça, t'as accepté que Vincent vienne faire sa boum ici sans me demander mon avis? Marc, tu n'étais pas là. Eh bien, t'aurais pu attendre que je revienne. J'habite ici quand même. Ça, c'est une nouvelle preuve que tu tiens aucun compte de moi. Marc, qu'est-ce que ça peut te faire si Vincent fait sa boum ici? On sera pas là, nous. Et pourquoi on sera pas là? Parce qu'on avait prévu d'aller au cinéma, non? Eh bien, on va plus au cinéma, voilà. Attends. Ce matin, c'était toi qui insistais qu'on voit ce film en VO pour que je te traduise. Ce matin, c'était ce matin. Maintenant, j'ai changé d'avis. Bon, et qu'est-ce que tu comptes faire? J'ai prévu d'emmener une fille ici ce soir, voilà. Bah, d'accord, mais tu n'as qu'à l'emmener au restaurant. Au restaurant? Ouais. Il y a des choses qu'on fait pas dans un restaurant. Ah, parce que tu... Ah bah, dis donc, hein.
Tu vas vite en besogne, toi. C'est pas de ma faute si j'ai du succès avec les filles et qu'elles me cèdent tout de suite, quand même. Oui. Bon, et tu n'es plus amoureux de Magali? Pourquoi tu dis ça? Mais Marc, si tu invites cette fille ce soir... Ça n'a rien à voir. C'est une fille juste comme ça. Magali, c'est la femme de ma vie. Alors tu vois... Oui, oui, d'accord. Bon, il ne me reste qu'à prévenir Vincent que ça ne marche pas pour sa boum. Exactement. Et la prochaine fois, tu lui diras qu'il me demande d'abord la permission. Ah. Oui, il va falloir que j'appelle Magali aussi. Attends, appelez Magali. Tu vas pas te venger aussi bassement? Non, ça n'a rien à voir. Magali m'a appelé tout à l'heure pour me dire que c'est elle qui offre les boissons pour la boum de Vincent. Et il faut que je lui dise que c'est pas la peine. Tu veux dire que Magali, elle était au courant que Vincent venait faire sa boum ici? Ah oui, elle était ravie d'ailleurs. Oui, elle et Fanny, elles étaient furieuses après Claire, qui ne voulait pas que Vincent fasse sa boum chez elle. Bon, j'appelle. Attends. Ça change tout, ça. On peut peut-être faire quelque chose. Bah, de quoi tu parles? Bah, c'est le genre de situation à exploiter, ça. Attends, je te suis pas. Ah, tu vas comprendre. Magali sait que j'accepte que Vincent fasse sa boum ici. Qu'est-ce que je fais, moi? Je marque des points. Oui, certainement, oui. Et je peux même faire un marché avec Vincent. Un marché? Ouais, du genre, il me fait mousser, tu vois. Il dit, Marc, c'est un mec super, il a accepté pour la boum, tu vois. Oui. Il est génial, Marc. Oui, oui, oui. Décidément, tu penses à tout, toi. Bah, c'est normal, je suis romancier. Je dis, Daniel, cette boum, c'est un cadeau du ciel. Oui. Mais il reste... petit problème, Marc. Hein? Un problème, lequel? Ben, cette jeune fille que tu voulais faire venir ici. Plus de problème. Je décommande. Comme ça, ça te fait économiser le restaurant. Il n'y en a plus besoin de refaire la chambre. Bien sûr. Et quand Magali saura que j'ai accepté que Vincent fasse sa boum, elle va vouloir passer la soirée avec moi. Ah, tu quoi? Évidemment. Elle me saura tout seul. Je vais pas au cinéma. Je suis là. À attendre, avec tous ces enfants qui dansent. Je vais me faire une petite beauté et je vais prévenir Vincent chez les filles. Ben, attends, ma, c'est pas la peine de prévenir Vincent parce que je lui ai déjà dit, il le sait. Et alors, je peux confirmer quand même. J'habite ici. Écoute, Vincent, j'aimerais seulement être sûre que tu n'as pas forcé la main de Daniel pour qu'il te prête son appartement. Mais non, pas du tout, c'est Daniel qui a insisté. Et tu sais, faut pas croire, mais Daniel, c'est un type vachement cool, hein. Et puis, sans vouloir te lancer des fleurs, je suis plutôt bien élevée dans mon genre, non? Ça, c'est vrai. Je l'admets. Bah, tu vois. Oui, mais quand même, je me sens gênée, moi. Mais pourquoi? Pourquoi? Mais écoute, savoir Daniel et Marc chasser de leur appartement pour que mon fils puisse donner une surboum... Mais t'inquiète pas. Daniel m'a dit qu'il avait déjà prévu d'aller au cinéma avec Marc. Ah bon? Eh oui. Dommage que je sois pas ivre. Ça m'embête, ça. J'aurais pu les inviter à dîner. Ouais, ça aurait pas été une mauvaise idée. Ah, tu trouves aussi, toi? Ouais, mais dommage que ce ne soit pas possible. Quel dommage, oui. Excuse-moi, maman, je dois y aller parce que j'ai pris rendez-vous avec des copains pour acheter des chips. Oui, vas-y. Va acheter des chips. Moi, à tout à l'heure, hein. Tiens, salut, Marc. Ah bah, tu tombes bien, j'allais sonner. Je voulais te dire, pour la boum, ce soir à la maison, c'est d'accord. Ah bah, génial. T'es mon pote. Excuse-moi, je dois aller acheter des chips. Venez vous asseoir là. Merci. Je voulais justement vous voir. Pour vous remercier, du fond du cœur. Oh, c'est normal. Ça me rappelle ma jeunesse. J'étais exactement comme Vincent. Magali et Fanny ne sont pas là? Non, elles sont parties faire des courses. Ah bon. Et elles savent que la boum, c'est chez moi ce soir? Oui, bien sûr. Elles en sont ravies. Et moi aussi, du reste. Cependant, je me sens quand même un peu gênée. Pourquoi? Bah, vous savoir, mis à la porte comme ça, Daniel et vous. Oh, vous inquiétez pas, on trouvera bien quelque chose à faire. Vous n'avez pas de programme? Mon fils m'a dit que vous alliez au cinéma. Ah oui, on a changé d'avis. Bon, maintenant, on sait plus vraiment quoi faire, mais on trouvera bien une idée. On va se débrouiller. Mais j'y pense. Venez dîner tous les deux ici. Ah bah oui, ce serait même une excellente idée. Vous êtes d'accord? Ah, bien sûr. Je vais prévenir Daniel. Ça y est, pour le champagne, c'est bon. Ah, bonjour Marc. Bonjour Magali. Bonjour. Bonjour Fanny. J'ai venu régler quelques derniers détails pour la boum de Vincent chez moi ce soir. Ah oui, je voulais vous dire, c'est très gentil à vous, oui, d'avoir prêté l'appartement pour cette boum. Oh, c'est naturel. Puis comme je suis généreux et que j'adore les jeunes, ben, avec moi, ils font ce qu'ils veulent, évidemment. En tout cas, c'est vraiment adorable, Marc.
Vous pouvez pas savoir le plaisir que vous avez fait à Vincent. Ouais, j'imagine. Et alors, à part ça, pour ce soir... Encore merci, Marc. Et vraiment, de tout mon cœur. À bientôt. Bon. À ce soir. Je sais pas ce que j'ai, moi, tout d'un coup, là. Mais alors, j'ai une de ces migraines. Claire ? Ça va mieux, ta migraine ? Ah oui. Non, ça va, ça va pas du tout, ça me lance, c'est terrible. Eh bien, reprendre deux aspirines, c'est ce qu'il y a de mieux. Oh oui, t'as raison. Les filles, je suis désolée là, mais je crois que je vais pas pouvoir aller chez Gérard avec vous. Ah non, 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 Claire, non, tu peux vraiment pas faire ça, Gérard. C'est vrai, il nous a préparé ce dîner avec tellement d'amour. Oui, je sais bien, mais moi je me sens pas bien. Et puis savoir Vincent à côté là-bas chez Daniel, ça me perturbe. Pourquoi? Tu fais pas confiance à ton fils? Mais si, je lui fais confiance, c'est pas ça, mais... Mais qu'est-ce que tu veux qu'il lui arrive? Je sais pas. Ils peuvent faire trop de bruit, ils peuvent mettre la musique trop fort, ennuyer les voisins, grimper au rideau, mettre le feu, mais faire... J'ai compris, Magali. C'est la maman poule qui ne veut pas abandonner son petit poussin. Oui, bon, c'est vrai, j'avoue, il y a de ça. Mais on se refait pas, je suis comme je suis. Oh, c'est beau, ça. Bon, en attendant, qu'est-ce qu'on dit à Gérard, nous? La vérité? Que je suis malade, que j'ai 42 fièvres, que je suis clouée au lit. Oh non, ça c'est pas gentil. Qu'est-ce que tu veux qu'il lui arrive? Je veux rester ici. Bon, n'insistons pas, quand elle a quelque chose dans le crâne, celle-là... Ça sent bon, c'est quoi? Un petit encas, pour ce soir, au cas où j'ai une petite faim. Vincent, t'as vu comment t'es habillée? Tu vas pas aller chez Daniel comme ça? Pourquoi on s'habille toujours comme ça pour les boums? Ah bon? Oui, t'es très bien comme ça. Oui, très bien comme ça. Ah, mais en tout cas, moi, je danserai pas le show avec toi. J'aurais trop peur que tu m'écrases les orteils. Ah bon, j'y retourne parce que j'ai tas de trucs à préparer. Ouais, c'est ça, ouais. Vas-y. Vincent, dis-moi, j'y pense. Mais on pourrait peut-être venir t'aider? Ah mais oui, on a le temps, nous. Ouais. Mais non, vous avez pas le temps, hein, Gérard. Vous allez être en retard. Vous pouvez pas lui faire ça? Oh, Claire, Gérard est à cheval sur beaucoup de choses, mais pas sur les horaires. Mais tout dépend de ce qu'il a préparé à manger. Si jamais c'est trop cuit, il va nous en faire un plat pendant au moins 2 semaines. Ouais, remarque, c'est vrai, elle a raison. Hein. Ah. Bah, excuse-nous, hein, Vincent. Ouais, il va falloir te débrouiller tout seul. J'y vais. C'est ça, vas-y, mon poussin. Bon, ben, on n'a plus qu'à aller se préparer, nous. Allez, allez, dépêchez-vous, vous êtes juste. Ah, tiens, ça sonne. C'est Vincent qui a dû oublier encore quelque chose. Dis-moi, Claire, t'as pas mal au ventre? Alors, Magali, là, c'est terrible. Mais qu'est-ce qui se passe? Bah, je suis confus, voilà. Tout le dîner pour ce soir est tombé à l'eau. Et quand je dis à l'eau... Mais qu'est-ce qui est arrivé? Mais c'est Daniel, ma petite chatte. Ah. Vous savez pas ce qu'elle m'a fait, cette fofolle? Elle m'a rongé le tuyau du lave-vaisselle. Non! Si, puis c'est pas la première fois qu'elle me fait le coup. Ah, moi, j'avais déjà réparé avec un petit ruban adhésif tout autour du petit tuyau. Puis je lui avais demandé de pas recommencer. Ça, vous la connaissez. Elle n'a fait qu'à sa tête. Alors là, ce coup-ci, le tuyau a lâché. Puis ça m'a inondé tout l'appartement. Enfin, c'est la catastrophe, quoi. Oh, mon pauvre Gérard, c'est vraiment pas de chance, ça. Et le dîner? Ah, le dîner, il est à l'eau. À l'eau, je vous dis. Bah, pour une fois que vous veniez manger à la maison... Oh, c'est pas grave. Comment ça, c'est pas grave? Mais pour moi, si, Magali. Bon, alors, ce que j'ai fait, j'ai réservé dans un petit restaurant, mais bon... Restaurant? Mais attendez, il y a beaucoup plus simple. Claire a préparé un rôti. Je l'ai vu? Il est énorme. On n'a qu'à tous manger là, ici, ce soir. C'est plutôt sympa de se retrouver tous ici, non? Un petit peu de guacamole encore? Oui, ah, il était très bon. Bah, je t'en prie. Merci. C'est vrai que c'est une excellente idée d'avoir mélangé comme ça la cuisine traditionnelle française et des petits plats mexicains. Puis comme ça, pour un repas surprise, ça en a vraiment été... Hein. Oui, ça, tu peux le dire, Gérard. Moi, je trouve ça génial. En plus, tout le monde est content. Gérard. Moi, j'ai pas eu de problème de babysitter pour garder les enfants. Et Claire, qui passe la soirée à côté de son petit fiston. Dis-moi, Claire, on l'entend pas, ton petit fiston? Il fait pas de bruit, hein? Absolument. Il est parfait. Seulement, c'est dommage que Marc ne puisse pas se joindre à nous. Bah oui. Ouais, c'est dommage. Il aurait bien aimé, oui.
Oh, vous inquiétez pas. Tu es sûr qu'il s'amuse comme un petit fou. Mais dis-moi, Magali, pourquoi t'as demandé à Marc de rester à côté? Parce qu'il a pas arrêté de me répéter qu'il adorait les jeunes, alors je me suis dit qu'à côté, ça devrait lui plaire. Mais c'est très bien, parce que comme ça, il peut les surveiller. Stéphanie, s'il te plaît, dors pas sur le canapé. Les lasers, c'est les lasers de Daniel, la collection. Tu fais attention à la chaîne, hein, c'est un cadeau. Voilà, comme ça. Ils vont où les deux là? Hé, les deux là. Hé, le salon c'est par là. Non mais je rêve. Qu'est-ce qu'on entend là? Qu'est-ce que fait ton copain dans la cuisine? T'inquiète, c'est Danny, il est en train de faire éclater les pop-corns. Bah oui, il n'y en avait plus à griller. Encore? Voyons en voir encore des milliers collés au plafond. Alors toi, je t'ai déjà dit de te calmer avec la chaîne.